Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon petit nouveau chouchou, ou plutôt de ma nouvelle chouchoute, étant donné que c'est une brosse nettoyante Foreo. Je vais vous en parler en long et en large et vous montrer en action au moins le nettoyage. Si vous êtes quelqu'un qui regardait régulièrement mes vidéos, vous avez vu passer cette brosse dans ma wishlist que j'ai fait il y a quelques semaines. C'est donc une brosse nettoyante de la marque Foreo, mais pas n'importe laquelle. C'est le dernier modèle sorti, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est une toute récente, c'est la Luna 3. Et donc forcément, qui dit nouveauté, dit plus de fonctionnalités, plus d'améliorations. Donc je ne connais pas les autres, je ne saurais pas vous en parler plus que ça, mais ce que je sais, c'est qu'il y a plus de petits picots, donc ça recouvre une plus grande surface. Ils sont plus doux et plus fins. C'est le côté vraiment gadget qui m'a le plus intéressé par rapport à n'importe quelle autre brosse visage, c'est qu'elle est reliée à une application. Donc vous avez l'application Foreo que vous téléchargez au moment de la mise en route de votre appareil. Et grâce à ça, vous pouvez enregistrer votre brosse dans votre téléphone. Vous pouvez la configurer comme vous voulez. Et la brosse vous indique premièrement les différentes zones du visage à nettoyer et quand il faut changer de zone. Et ensuite, vous avez aussi, ça c'est top, la fonction massage. En fait, la brosse, elle vibre. Et avec ce côté-ci, vous faites des massages de visage. Pareil, vous êtes guidé par l'application, vous avez une dame qui vous cite en anglais ce que vous devez faire et vous avez sur la petite image une dame qui vous montre les gestes à effectuer sur votre visage. Pour le moment, je l'ai testé ici le soir dans ma salle de bain. Je l'ai utilisé hier sous la douche pour gagner du temps, comme ça j'ai fait mon nettoyage un peu plus approfondi sous la douche. Et voilà, vous avez apparemment 16 niveaux d'intensité, c'est-à-dire 16 types de vibrations différentes pour que ce soit du moins fort au plus fort, sachant que la mauve que j'ai ici, elle est faite normalement pour les peaux sensibles. Vous avez une bleue et une rose. Il y en a une qui est pour les peaux grasses et l'autre qui est pour les peaux normales, je pense. Moi, j'avais bien spécifié que j'avais envie de celle pour les peaux sensibles et c'est celle que l'amoureux m'a offert pour Noël. Vous avez le bouton ici de marche-arrêt. En gros, vous appuyez deux fois dessus pour qu'elle se mette en route. Et quand elle se met en route, elle fonctionne par rapport aux réglages que vous avez enregistrés dans vos paramètres. Vous avez ici le petit trou pour le chargeur. Donc, c'est vendu avec un petit chargeur USB comme ça. Et une petite pochette rose pour pouvoir la transporter partout. Vous avez également un petit échantillon de sérum qui est offert avec la brosse. Moi ici au quotidien, après avoir chipoté, après avoir testé, regardé un peu dans mes réglages, j'ai trouvé le truc parfait. Je l'ai mise à 2 minutes d'utilisation et intensité 2. Je pense que les intensités plus fortes, pour moi en tout cas, ce sera vraiment quand j'aurai envie de me faire un nettoyage plus en profondeur, limite un gommage, vous voyez. Et intensité 2, c'est vraiment la bonne intensité pour utiliser tous les jours pour me nettoyer le visage. Vous enregistrez ça dans vos paramètres et donc comme je vous disais, si vous appuyez deux fois sur le bouton, vous pouvez avoir qui s'affiche sur votre écran le visage d'une dame qui vous montre les zones à nettoyer. Mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas votre téléphone sur vous ou si vous n'avez pas envie de l'avoir parce que vous êtes sous la douche, vous appuyez deux fois sur votre bouton, elle se met en route, ça va commencer à vibrer. Vous commencez par frotter votre front, enfin vous faites ce que vous voulez, mais par rapport à ce qui était indiqué sur la petite vidéo que vous avez à la base sur l'application, vous commencez à savonner votre front. Ensuite, les vibrations s'arrêtent un petit peu pour vous signaler qu'il faut changer de zone et ainsi de suite sur tout le reste du visage. Donc c'est-à-dire que les 2 minutes que j'ai sélectionnées, ça me répartit ça en temps idéal de nettoyage pour chaque zone. Alors je viens d'humidifier ma peau. Cette fois-ci, je vais prendre le nettoyant mousse de Cartier. Je vais le mettre directement sur ma brosse. Et donc si vous l'utilisez avec l'application, vous avez ici la petite dame qui s'affiche. Ça se met à vibrer. Vous voyez qu'elle indique de passer sur le front. Vous avez les minutes qui, enfin les secondes qui se décomptent juste en dessous. Et encore en dessous, si vous swipez un petit peu, vous avez l'intensité que vous pouvez régler.
Et ici, les vibrations ont changé, donc elle m'indique de changer de zone. Ce que j'adore avec cette brosse, c'est que vous avez vraiment la peau hyper douce après l'utilisation. C'est vraiment hyper agréable. On sent que les vibrations ont réellement une nécessité, parce que je vous assure que si vous prenez votre brosse et que vous vous frottez comme ça avec votre savon, ça n'a pas du tout le même impact sur votre visage. Vous n'avez pas du tout la même sensation. D'ailleurs, pour être totalement honnête avec vous, là je me suis un peu foirée pendant cette vidéo, parce que c'est à dire que vu que je vous parlais en même temps, j'ai loupé une vibration, ce qui fait que j'ai pas fait ma dernière zone, qui est cette joue-ci. Et honnêtement, je touche tout le reste de mon visage, ma peau est toute douce, elle reste avec un, je sais pas comment vous dire, un ressenti agréable suite aux petites vibrations. Et cette joue-ci, eh ben, elle est pas aussi douce, et j'ai pas de sensation de bien-être de ce côté-ci, vous voyez, donc c'est un petit peu frustrant. Donc maintenant je vais vous montrer un des massages. Je vais appliquer d'avance de la crème, mais vous allez voir très grossièrement sur mon dessous d'œil. Là j'en mets un peu partout parce que je sais, pour avoir déjà fait les massages, je sais un peu où ça va me faire voyager dans mon visage. Mais en gros, vous prenez votre brosse, on va utiliser ce côté-ci. Donc j'ai choisi le massage des yeux, je mets commencer le traitement. Et là, vous allez avoir le visage d'une dame. C'est un peu difficile de vous montrer et de le faire en même temps. Ça fait du bien. Je sais que en vidéo là comme ça, c'est vraiment difficile de se rendre compte de la sensation, etc. Ça fait vraiment du bien. Et encore là, j'ai juste fait le massage contour des yeux, mais la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enchaîné tous les massages. Donc c'est à dire qu'après j'avais la sensation que j'ai actuellement sur le contour des yeux, mais sur l'entièreté du visage. Et en fait, les vibrations, c'est pas tellement que ça fait du bien sur le coup. C'est vrai que sur le coup, on se dit ça vibre. Et en plus, on est un peu concentré sur l'application pour suivre le guide du massage, on va dire. Mais une fois que le massage est terminé, ça fait un bien fou. On dirait que c'est à ce moment-là qu'on ressent qu'il y a eu des vibrations sur le visage. On dirait vraiment, bah oui, qu'on est détendu, comme quand on sort d'un massage en institut. Je sais qu'elle coûte très cher. Je pense que c'est plus ou moins 200 €. Honnêtement, je vais plus regarder le prix parce que vu qu'on me l'a offerte, je suis un peu mal à l'aise. Mais personnellement, je trouve qu'elle les vaut. J'adore le fait que ce soit lié à l'application. J'adore le fait que la brosse nettoyante, on puisse l'utiliser partout parce qu'elle est parfaitement étanche, qu'il n'y a pas forcément besoin de l'application non plus. Une fois que vous avez paramétré le tout, vous savez l'utiliser juste en appuyant sur les boutons. Elle est facile à nettoyer, elle sèche hyper rapidement. Les massages, ça fait vraiment réellement du bien. Je l'ai utilisée, je suis descendue, j'ai fait un gros câlin à l'amoureux et j'ai dit merci, merci, c'est vraiment un cadeau merveilleux. Voilà, écoutez, j'avais juste envie de vous faire une petite vidéo sur ma brosse Foreo parce que, comme je vous le dis, ça m'a vraiment étonnée que ça me plaise autant. Et j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, je vais aller me mettre un peu de crème parce que j'ai le reste du visage qui tiraille. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.